Assalamu alaikum. Maay leen nuyu di leen gërëm di leen sant ci sen téway et puis aussi surtout ci dynamisme ngeen apporté par rapport à sen formation surtout côté professionnalisme jogé ngeen ci côté informel légui dañ leen indi de la place des 3FPT surtout ñu waro remercier bu baax par rapport à financement li leen apporté pour former leen parce que aussi c'est pas évident xaliss bu bari lañ ci duggu pour former soudain ku nek day fayal bopam vraiment de dépenser xaliss donc war ngeen remercier bu baax wa 3FPT par rapport à ça. Il va de même aussi surtout aussi pour monsieur Sek moi monsieur Sek moi représentant aussi 3FPT par rapport à côté qualité suivi ici je aussi apportant aussi compétences en lieu barrette formation surtout yenn digué par rapport au jeu à la transformation céréalière. Donc aussi madame aussi chapeau et remerciement aussi à monsieur Diop. Monsieur Diop surtout aussi qui est le président directeur général qui a beaucoup aussi mis sa partition par rapport à ça. Ici ajoute aussi madame Diop très aussi compétente surtout yenn wax ngén ko par rapport à lui mou len apporter solution yu baré accompagner len dolé len insister na bu baré ci formation bi pour ngén am formation surtout wa digé ni. Donc madame djel nañ sen engagement sen volonté du len suivre j'espère que aussi yenn da ngén apporter aussi sen compétence comme lu mo waxé rek à chaque fois ça sonné ci formation yi connaissance amna baxna formation baxna mais yenn tammi war ngén andi ko apporter sen compétence en indi rugueur formenal c'est pas seulement ñu former len ngén xaar mais da ngén wara engager aussi djel sen responsabilité aussi di pratiquer li ngén len jangal normalement ci formation transformation sen domaine war ngén innover ku nek war na créer activité am aussi par rapport à ça mu nek leadership ci domaine am lolou lo am solo la du formation kessé ku nek mo ñew ñu former ko mais est-ce que amna est-ce que mën ngeen demal sen bop aussi après parce que aussi on peut pas tout vous donner on peut vous donner aussi certaines techniques certains modèles conseils suivi mais yenn aussi il faut ngeen am volonté ak rigueur pour ngeen mëna procéder rentabiliser ak développer sen activité parce que esprit entrepreneurial former len jox len ay outils ay matériel ay côté logistique maintenant yenn tammi war ngeen aussi wout solution de développement lolou tammi da fa am solo trop on peut pas tout vous donner il faut savoir oser il faut prendre des risques quand tu entreprends il faut la volonté la rigueur et prendre des risques lolou c'est important qui ne risque rien n'a rien par rapport à ça. Donc lola la mënon wax par rapport à cette activité félicitations aussi par rapport à l'engagement que vous avez pris et à la volonté ne serait-ce maintenant on est à côté en train de vous suivre est-ce que d'une âme suivi comme je l'ai toujours dit on vous forme on vous donne des outils de l'injure à outils mais aussi il faut que suivi vi am nous la porte est très ouverte ce numéro de téléphone ici et tout ça pour soxla en cas suivi conseil assistance mën len len joxel par rapport à ça donc comme am jefe ci domaine am de gestion mën wote ñu trouver une solution donc l'objectif c'est de faire en sorte que ngeen mën utiliser sen connaissance len jox sur le terrain suivi des attestations et des diplômes attestations yi den len jox attestation pour gëna dolé len lolu tam amna solo attestation aussi des woné def nga formation moi nek ce carte d'identité formation faut qu'on présenter pour postuler un financement ainsi de suite par rapport à ça donc l'objectif aussi il est très important nga nek formel nga formaliser sen activité nga djogé informel nek formel ku nek dans son domaine lolu tammi c'est très important c'est surtout ça sortir de l'informel pour être formel ak yenen critère yi waxna len ko ci formation yi par rapport à ça da nga wara structurer organiser ou mëna gérer rentabiliser donc yépp ce sont des capacité ñu xamé yeen tammi war ngeen ko miser pour défiler sen défi sen objectif donc manam fune pour gatal dal félicitations ma ngi len encourager tous les membres ici qui sont là et tous les éléments participatifs wa salam merci félicitations et bonne continuation surtout yalla mbarké adjeratu khadingom
na ñew taxaw fi adjertu khadingom na ñew taxaw fi merci nabulo waaw ñi ngi ndaysan ñi gërem babakar sall nak mubarak fm merci ak le grand cameraman khadingom mi ngi ni ñewel taxaw fi voilà fi ngay taxawé joxo félicitations ndaysan bëgg nañ ñu taccu bu baaxa baax ñu taccu bu baax merci merci monsieur touré a limu wax de ngeen ko kenn ku nek lañ la jox nañ ci xarañ nañ ci geustu nañ ci gëna nek jambar bul baye mukk sa loxo légui nak ñuy bëgg jox cadeau gi ku ne xam na né bu ngaay nexé mexé motax liñu bëgg wax lepp 3FPT la kiko fi téwal di directeur bi nga xamné moy monsieur Sek mom bëgg ñu tacc ko bu baaxa baax monsieur Sek vous avez la parole merci Sek merci monsieur le directeur assalamu alaykum bonjour mi ma ngi leen di gërëm di leen sante di sante Sidi Diop madame Mbacke mbolo mi fi top tay lu mo bëggon wax suñu DG Sophie Diallo li la bëgg suñu wax autonomisation des femmes moy lan tare baxna waye am métier lu am solo la autonomisation des femmes c'est pour cette raison ce job man dama content parce que li ñu liggéey tay chaîne de valeur la chaîne de valeur moy lan nga commencé ci transformation céréale nga laccé nan lañuy jàngalé pour nga am compétence de commercialiser ko nga joggé fofu jàng technique d'emballage parce que de nos jours Afrique ak fepp fo meuna dem suñu problème moy emballage et donc c'est important donc formation bi formation intelligente la kay wo tudé formation intelligente xam xam bobu la leg 3FPT jox 3FPT mo ngi former 65 femmes pour un coût de 3 600 000 lolu la Sophie Diallo def ci yeen bëgg mu am impact parce que bëgg nu di former mais suñu leen formé dañu bëgg ngeen am pass-pass bi volonté bi am fond de roulement liggéey bi leen jàngaloon ngeen continuer que pratique sur le terrain lolu mo ñuy permettre ñu transmettre ñu am volonté continuer formation yépp ngeen fi wax ni waxtaan na ce matin ak madame Mbacke nee naa ko xoolal ce plan 2023 waxtaan seeg sa mbooloo mi ainsi que monsieur Diop ñu xool ensemble comment on peut exécuter toutes ces formations 65 lan formé mais tamit mën nay dem ba 100 200. Et tout ça, c'est possible avec le 3FPT. 3FPT n'est pas fait donc pour donner des connaissances. Nous sommes dans la prison. Tao, Fier Kotal, Bambake, formé presque 2000 prisonniers. C'est ce que le 3FPT a fait. Tao aussi, formé 2000 talibés. Khalé aussi, c'est le Khayala. Fils ce jour-là, Inch'Allah, plus de 100 ou alors 150 jeunes tenaient les diplômes de formation. C'est appuyé. Ces formations, ils ramènent, ils ont aussi 2 ans, 3 ans, mais aussi, formation, ils ramènent, 3 mois, 6 mois. Là. Moi, un certificat professionnel de spécialisation. Sur les mêmes, donc, ils ramènent, ils ont une formation, structure métallique, ou alors plomberie sanitaire. Voilà la formation diagnostic automobile.
tant que nous sommes sur 3HPT ou bien au niveau du Pôle emploi, nous t'appelons pour former pour. Et là, c'est des possibilités, c'est des réalités. Lolo, ce dialogue d'Afrique Fidèle. Mais aussi, M. Diop, ce matin, on est ici. L'État, le tech projet, tout simplement, pour le bosier des populations. Non. Dieu Diop, Seigne Bara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbolo mi ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax ci turu honorable monsieur le maire le député maire Malick Fall délégation bi nga xamné man mako jité ma ngi and ak ku ñuy wax Modou Gueye du doomu keur cheikh di agent municipal bok ci protocole monsieur le maire ma ngi and ak ku ñuy wax Modou Gadiaga Ndiaye mom tam il est conseiller départemental là où man nek le secrétaire élu au conseil départemental de Djourbel mom conseiller départemental la fa and ak soxnam ma ngi and ak itam ak Abdou Gueye di doomu keur cheikh dekk fi ci Ndar Fall d'abord damay nuyu monsieur Sidy Diop diko sante bu baakha baax mom soxnam si tok itam di soxna Karim Mbacke bëgg nuyo bobu nga xamné mom lañu monsieur le maire yabal ngen dialale ko ci autorité religieuse yi nga xamne ñoo nek keur cheikh ibrahim fall yeen leen xam yeen leen gëna min ngen xamal leen monsieur le maire yabal la délégation way délégation bi jaar na ci yeen ngir nuyu leen suñu para ci lolu ñu dugg ci autorité yi nga xamne moy autorité administrative yi fi nga lim légui en l'occurrence monsieur dame diop mon frère et ami qui est ministre qui était ministre isra ministre inshallah rabbi wala benen ndombo tank bo xamne war na ko mëna am ci dëkk bi parce que doom nit ku bax la di remercier itam Modou Fall bi nga xamné wax ngeen ko fi Pape Modou Fall ak les représentants de 3FET qui sont là devant moi di len sante bu baax di len geureum di sante ñepp ñi nga xamné mënuma jaar ci sen tour waye ngeen xamné monsieur le maire mi ngi len yobante nuyo ma nga ca Dakar waye xelam mi ngi fi ku ne xamné na fi ñu tollu ni dañu nek ci section budgétaire pour voter budget Sénégal té monsieur le maire dafa am ben place bu am importance au niveau de l'Assemblée nationale parce que il est le président de la commission culture et communication au niveau de l'Assemblée nationale té normalement samedi le ministre de la culture dafa wara jaar ci mom pour ñu mëna def fofu ci plénière bi su du ton lool ku na xam na né waxuma la Sidy Seigne Sidy Diop waye li ñuy wote ci ndiarém monsieur le maire bu ko yégué dina ci yébal délégation wala mu ñëw téwël jëmum ji waye nak dogal bi moy lol la yalla dogal ci mom tay mu nek ci Dakar kon monsieur Diop yow dañ lay sante bu baakha baax man de damay wax ne yow vous êtes une personne modèle yow nit nga ko xamné vous avez marqué l'histoire du Sénégal l'histoire de Djourbel parce que da nga genn bitim rew dem daani sa doole beur nañu ko def am sen alal am teranga yamale ko sen bop mais yow da nga dem am lo am indi ko bokkok ñi nga dëkkal ñi nga xamne ñom wa ndiarém rien ne vous oblige à le faire su la nekkon bañ ko def hein mais dang ko def parce que da nga gis Djourbel nga xamne fi vous êtes natif de Djourbel doomu ndiarém nga boy wax quand je vous écoute man damay gis nit ko xamne da fay wax al parce que limi wax daf ko yéné kon yow vous servirez de modèle à toute la population de Djourbel en l'occurrence les femmes digène dafa néw doolé xam nañ ko bu baax baax te ñom ñoo ñu jur kon sel encadré tay ba ñu mëna développer dara mëna boole sen bop yow da nga wara doon xawmu nuñ la wara tuddé ci tubab mais war nañ la defal sax benen article honorifique pour Djourbel parce que vous méritez beaucoup pour Djourbel vous avez beaucoup contribué pour Djourbel la fois passée je vous ai assisté fekk na le feulé nga dajalé les Allemands il y avait le ministre des affaires étrangères allemand qui était là mang fo won après mu yebou ñu pen dormi mais ñom dañu jaxla won parce que xam yaakaaru ci non nit dina mëna def développer lu ton non fi ci dëkk waye nak sa courage ak sa dévouement ak sa engagement auprès de votre femme sa soxna ndax nit ko gis derrière un grand homme toujours lay am jigen ci ginnaw vraiment yo am nga ko mel non sa ginnaw kon dañu lay sante bu baaxa baax ci initiative bi nga def parce que day développer dëkk bi monsieur le maire lo def ci dëkk bi mom nga ko défal certes parce que c'est le maire de la commune de Djourbel mais c'est pour le développement de notre cher Djourbel kon li ngay def ñong la ci encourager bu baaxa baax dama bëgg itam les représentants du ministre qui sont là les 3FET
ngeen jall message au niveau national xamna dina jall sax waye ngeen gën ko consolider ngeen xamné ndiarém amna un Sidi Diop qui est la fierté de tous les djourbelois qui est la fierté de tous les sénégalais comme monsieur Sidi mënutuma wax parce que vous avez tout dit def nga exposer am solo galvaniser nga nit yéwat nga ni wala nga sa bëgg wala nga sa yéne té yaang ci yalla yalla gëna jappalé jappalé ñepp nañu wax sama carte de jeune wax den sax merci beaucoup.